Avant de retourner à mon église, je tiens à vous féliciter en mon nom personnel. Ceux que vous avez exécutés n'étaient que l'excrément de la terre. Ils ont mordu la main qui les avait nourris. Que leur sort serve de leçon à tous ceux qui ont attenté au bien d'autrui. Águia! Nous n'allons pas enterrer ces mécréants dans une terre consacrée. Ils ne l'ont pas mérité. Pour eux, pas de salut. Qu'ils soient à jamais damnés. Viva México! Águila! Allez, les gars, détruisez l'hôtel.
sommes plus loin. Quoi qu'il arrive, fais ce que je te dirai. Les Américains racontent qu'ils se sont perdus. Prendre. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bon, bah. Laisse-les boire. Nada. Ceinture. Les ceintures. Qu'est-ce que c'est ? Un morceau de papier. Un simple papier d'identité. Rien d'important.
Tu n'as pas entendu les cloches, padre? Mets-moi ça. J'ai dit, lis-moi ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que tu te décides, padre? Le porteur de ce document est un officier d'état-major de l'armée des États-Unis en mission officielle. Il est accrédité. Quoi? Accrédité. Auprès du gouvernement mexicain du président Porfirio Diaz. Auprès du gouvernement? Diaz ne nous aime pas. Il envoie les soldats qui essaient de nous détruire. Et vous êtes en rapport avec lui? Nous sommes en rapport avec personne. On veut de l'aide. J'ai entendu, padre. Ces Américains demandent qu'on les aide. On va vous céder. Soyez les bienvenus à Salop City. Perla, Carmina. Si, don Carlos. Bomba, occupe-toi de nos invités. Tu désapprouves, padre? Hein? Tu es très dur. C'est le droit de chaque homme d'avoir une jolie femme avant de mourir. Mais pour un prêtre, une femme... Ou peut-être que tu n'approuves pas la façon de Carmina et de Perla d'administrer les sacrements. Hypocrite! Sale hypocrite! Je suis venue pour voir la tombe de mon mari. Le cercueil est vide. Vous ne pouvez déterrer personne sans payer, c'est clair? J'ai de l'argent, je peux payer. Bon, bah, conduis la dame jusqu'au cimetière. Allons-y, Pablo. L'homme vient au monde issu de la femme, mais il n'a que peu de temps à vivre sur la terre. Dès sa naissance, il est déjà engagé dans la mort. Nous avons erré, nous nous sommes égarés, ainsi que le font tes brebis. Nous avons négligé les choses que nous aurions dû faire. Nous avons accompli des actes que nous n'aurions pas dû accomplir, et il n'y a pas en nous d'autre salut que toi, Seigneur. Padre, voyons.
Ainsi donc, nous confions sa dépouille à la tombe. Les poussières vous retournez à la poussière. Jusqu'au jour de la résurrection des corps, jusqu'à l'ère du jugement dernier. Amen. Amen. Je voudrais savoir, comment mon mari est-il mort? Je ne me souviens pas, Signora. Je ne me souviens même pas de lui. Pourtant, il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Voulez-vous que je le fasse déterrer? Non. Ce n'est pas pour ça que je suis venue là. Pourquoi la Signora est-elle venue? Pour offrir à un des hommes de cette ville $20,000 en or. Et qui dans cette ville va avoir cette chance? Et qu'est-ce qu'il devra faire? Tout ce qu'il aura à faire, c'est de prononcer un nom. Le nom de l'homme qui a assassiné mon mari. Vous avez l'or avec vous? Ah, je ne suis pas aussi folle. L'argent sera versé seulement quand l'assassin m'aura été remis à El Paso, de l'autre côté de la frontière américaine. Et je le veux vivant. Et maintenant, savez-vous qui a tué mon mari? Je le saurai bientôt. La bomba! Si. Emmène la señora à l'hôtel et tâche qu'elle nous... Et tâche qu'on lui donne une jolie chambre propre. Un ami. Salut, l'ami. Il est sourd et muet. De ton bon ami Don Carlos, hein? Approche, approche, approche. José, tu oublies tes bouteilles. Culebra, José a oublié ses bouteilles. Fait tellement chaud. Ah, l'ombre fait du bien. Tu as tellement soif? Avec ma part du butin, je me suis offert ça. Combien est-ce que José a eu? 10 pesos. Je vous jure, Don Carlos, j'ai trouvé cet argent sous la table. Table. Hop. La bomba coulèvre, mais vous êtes mes amis, qu'est-ce que vous faites? José, maintenant va avoir soif. C'est Culebra. Je vous en supplie, faites pas ça. Culebra, la bomba. Oh, laissez-moi. Tu vas nous dire la vérité ou tu vas te balancer à cette corde jusqu'à ce que tu crèves. C'est ma soeur, ma puta de soeur, la perla. C'est elle qui m'a donné l'argent. Je vous jure que j'ai pas volé, je vous le jure. Maintenant, ton argent s'est envolé. Va chercher la perla. Je vous jure, cet argent, je ne l'ai pas pris. Alors, mon petit ange, qu'est-ce que ces $100 faisaient dans ta chambre? C'est ta dot, peut-être? Je te l'ai dit, je ne sais rien de tout ça. C'est ces chiens que j'ai le malheur d'avoir pour frère qui les a mis. Embustera! Hijo de... Puta! Puta! Elle a pris l'argent, je l'ai vu. Je vais mourir. Je t'en prie. Culebra. Détache-moi. Je fais ce que tu voudras. Tu le répéteras à Carlos quand il sera de retour. Arrête! Puerco, animal! Je vais t'arracher les yeux. Hé, hey, amigos, est-ce qu'on parle la mer aussi? Ah!
bonita. Ma couleur favorite, le noir. Très bien. Maintenant, dis à la signora ce que tu m'as dit. Je vais vous le dire, Don Carlos. Elle ne parlera même pas pour me sauver la vie. Mais moi, je vous dirai tout. Je vais vous dire la vérité. Signora, elle a tué votre mari. Elle Mantar, a volé l'argent aussi. C'est toi, Mantar, c'est Quel toi qui l'as tué. Si, si. Alors, tu n'as qu'à le prouver. En la poussant. Allez, José, pousse-la. Je vous en prie, Don Carlos. Eh bien, puisqu'il ne veut pas, toi, tu vas pousser ton petit frère. Non, je t'en prie, ne fais pas ça. Je vais la pousser. Oh, non! Oui. Padre! Padre! Je n'ai pas le pouvoir de ressusciter les morts. Dis-moi, José, combien d'hommes as-tu tué? 10. Peut-être davantage, je ne me rappelle pas. J'ai fait qu'obéir aux ordres, Carlos. J'ai toujours obéi aux ordres. Je le sais, José. C'est toi qui a aidé ta sœur à tuer le mari de la signora. Si vous le dites, Don Carlos... Tu ne dois pas dire si vous le dites, Don Carlos. Dis seulement oui ou non. As-tu aidé ta sœur à tuer cet homme? Oui. J'ai aidé ma sœur à tuer cet homme. Oh. Bien. Est-ce que la signora est satisfaite? Ils se haïssaient l'un l'autre. Alors, voulez-vous les deux cadavres ou un seul suffira? Assassino! Puerco! C'est une vergüenza! Tu leur avais promis la vie sauf s'ils disaient les mensonges que tu as inventés! Ah, elle est folle! Assassino! Moi, je sais qui a tué son mari! Águila! Águila! Águila? Il n'existe personne de ce nom, cette femme divague. Maintenant, il faut que tu la tues. Où est l'or? Je n'ai pas vu d'or. Seulement un cercueil vide. Avez-vous connu mon mari, padre? Je vous connais. Moi, je ne vous connais pas. Moi, je vous connais. La vieille femme a dit que c'est Águila qui a tué mon mari. La voie de la révolution doit nécessairement passer par le chemin de la violence. D'où me connaissez-vous, padre? Je fais de mauvais rêves toutes les nuits. Dans quel rêve m'avez-vous vu, padre? Vous avez un couteau. Vous entrez dans ma chambre. Le couteau dans le dos. Ouais. Paloma me ranime. Pour quelle raison voudrais-je vous tuer? Dites-le-moi et je cesserai sans doute de rêver de vous. Vous savez pourquoi je suis là? Laissez votre mari reposer en paix. Et moi, comment dois-je faire pour trouver le repos? Je sais pas. Partez pendant qu'il en est temps. Quand je partirai, il y aura un cadavre dans le cercueil que j'ai apporté. Pourvu que ce ne soit pas le vôtre. Il est venu beaucoup d'étrangers dans cette ville. Ils reposent tous maintenant au cimetière. Excepté vous. Je suis le prêtre. C'est vrai? L'êtes-vous?
On tue la sorcière maintenant? Attendu. Hey, padre! Hey, padre! La signora est avec vous? Oui. Vous allez vous battre pour elle? Je ne me bats pour personne. Ah, bueno! Alors ouvrez la porte! J'ai dit, je ne me bats pour personne. Idiot! Padre, c'était un malentendu! Bomba est idiot! Vous m'entendez? Je vous entends. Alors écoutez! Vous n'avez pas d'eau, très peu de vivres et quelques balles. Combien de temps la señora pourra-t-elle tenir? Voilà ce que je propose. La señora offre de payer 20 000 dollars en or pour un homme mort, exact? Bien, pour le même prix, et c'est pas cher, je vais lui laisser la vie sauve, d'accord? Ne vous pressez pas. Expliquez-lui bien les choses. On pourrait entre-temps conclure une petite trêve. Un armistice. Vous avez entendu? Qui est-ce, Aguilar? Aguilar, c'est la révolution. Continuez. L'idiot, tu surveilles. Couvre-moi. T'avoir dit de rester dehors et de surveiller, idiot. Francisco surveille. La bomba, l'idiot, il a soif. Qu'est-ce qui te prend?
Signora! Dì alla signora chi è Aguila. Dirvi! Aguila. Ce n'è tanto un po', Don Carlos. Aguila. Qu'il arrive, tu ne bouges pas d'ici. Ne bouge pas d'ici. Irlandais! Irlandais! Benito. Je n'ai jamais été aussi content de voir un homme de ma vie. Laisse-moi t'embrasser, vieux frère. Bon Dieu, pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu te caches ou t'es devenu fou? En un sens. Quoi? La passion fait l'histoire, la raison n'y a pas sa part. Viens avec moi. Tu vas mettre un bel uniforme. Je te nommerai lieutenant. Entre dans mon armée. Dans 2 ans, nous serons présidents et dans 10, le Mexique est à nous. Merci. Non. N'est-ce pas la dernière église que nous avons libérée? Oui, c'est la dernière. Ne me dis pas que t'es devenu religieux, hein? Toi? Le tueur de prêtres? Bien, bien, bien. As-tu perdu l'esprit, vieux frère? As-tu déjà eu une église avant? Enfin, en Irlande, ou une chapelle, ou un... Enfin, où tu officiais? Ceci est mon unique église. Eh bien, moi aussi, je suis religieux. Oh, oui. Pour être près de Dieu, il faut aimer les riches. Dieu, vois-tu, préfère les riches. C'est pourquoi les riches gagnent. Et c'est pourquoi j'ai changé de camp. Qu'est-ce que tu fais? Je répare. Hein, tu répares. Irlandais, mon frère. Peut-être pourrais-tu m'aider. Si je peux, oui. Où est Aguila? Où est Aguila? Jamais je ne te le dirai. Quoi? J'ai dit jamais je ne te le dirai. Ainsi, Irlandais, tu essaies de revenir humblement à Dieu. Je le ferais si je savais où le trouver. Compagnon. Frère. Camarade. Irlandais. Tu dois le dire. Si loin de ton pâturage natal, si loin des verts pâturages d'Irlande. Je sais comment te torturer, toi. Parce que je te connais mieux que tout autre. Mais je
sais aussi que jamais la torture ne te brisera. Il faudra te briser à travers les autres. Où est Aguilin? Je te le dis très simplement. Tu ne trouveras jamais par moi. Ah. Alors je les pendrai l'un après l'autre, afin de te briser, toi. Les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Et tu les regarderas mourir de ta petite fenêtre. Et tu finiras bien par céder. Tu peux me briser, peut-être. Mais je ne te dirai jamais rien. J'ignore le sentiment, vieux frère. J'en ai extirpé jusqu'à la plus infime parcelle de mes os. Alors ne compte pas sur le souvenir du bon vieux temps. Parce qu'il était sombre et misérable. Et que j'étais pauvre, vieux frère. C'est maintenant le bon temps pour moi. Je suis riche. Tu peux marcher avec moi. Tu peux être très heureux ou tu peux beaucoup souffrir. À toi de choisir. Mais je te l'ai dit. J'ai déjà choisi. Alors regarde-moi de la petite fenêtre. Benito. Oui. Tu as vieilli, colonel. Toi aussi. C'est les mères, Excellence. Et alors, tu es le maire de cette ville? Si, Excellence. Qui t'a élu? C'est pas tout à fait officiel. Non? Non. Pourquoi ça? Il n'y a pas eu de vote. Personne ne vote. Aucune importance. Je cherche après un homme connu sous le nom d'Aguilin. J'ai des raisons de penser que c'est ici qu'il se cache. Or, tu es le maire de cette ville, n'est-ce pas? Est-il ici? Si. Sur le poteau dehors. Je l'ai pris et tué. Ah. Oh. Tu es sûr que c'est Aguilin? Je connais Aguilin comme si c'était mon propre frère. Tu es sûr que ce n'est pas Carlos, le bandit? Eh bien, voyez-vous, Excellence, je ne suis maire que depuis aujourd'hui. Et j'ai... Enfin, c'est-à-dire... quoi? Et maintenant, que dirais-tu de 100 coups de fouet, hein? Oh non. En tant que maire, tu n'aimerais pas te balancer au bout d'une corde comme un péon? Non. Désigne-moi Aguila dès demain matin. Je vous le trouverai. Je vous le trouverai. Magnifico. Thank you.
Je suis ton ami, n'est-ce pas, Paco? J'ai parlé au colonel. Il est d'accord pour nous laisser tous libres. Un seul doit mourir. Aguila. Tu sais, on pourrait tous être libres. Écoute-moi. Il faut que tu m'écoutes, Paquito. 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 C'est un mauvais jour, Carmine. Porc. Il y a un moyen de sortir d'ici. Un simple mot de moi au coroner. Et ça y est. Carmine. Carmine. Manuel et Luis nous surveillent parce qu'ils sont jaloux. Ils nous haïssent. C'est tout ce qu'on a fait, c'est dire que c'est le padre qui a Aguila. Manuel, Luis, aidez-moi et nous serons libres. C'est facile, il n'y a qu'à dire au colonel qui est Aguila. Vous allez tous crever. Une seule chose pour nous sauver tous. Il faut que nous livrions Aguila au colonel. L'un de vous, c'est sûrement qui il est. Amenez-le. Non. Le colonel m'a demandé de lui rendre service. Je dois trouver Aguila. Je dois trouver Aguila. Si vous me tuez, comment voulez-vous que je le trouve? Aliment! Il faut qu'Aguila sorte des rangs. C'est un lâche. Il refuse. Alors, l'un de vous doit dénoncer cet homme. S'il ne le fait pas, à partir de demain, 7 heures, 5 d'entre vous iront rejoindre votre mère, la Bomba, et seront lentement pendus par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Toutes les 3 heures, jusqu'à ce que Aguila se livre.
Non, non, Louis. Arrêtez. Amenez-le ici. Ton nom? C'est un homme brave. J'ai besoin de braves. Et je les respecte. Tu serais plus avisé de changer de maître. Aguila aussi respectait les braves. Louis. Avance. Par ici, par ici. Vous avez déjà tué mon fils Louis. Il ne m'en reste plus qu'un seul. Je ne veux pas qu'il meure demain. C'est pourquoi je suis venu les sauver. Il n'est que lui et rien d'autre. Le bon Dieu vous bénira. Je n'ai que faire de sa bénédiction. Je veux Aguila. Par contre, si tu me dis ce que je veux savoir, je vous épargne tous les deux. Permettez que mon fils soit mes yeux, car lui aussi connaît Aguila. Comment s'appelle ton fils? Manuel Sanchez. Manuel Sanchez. Sanchez. Si, Excellence. Qu'on l'amène ici. Non. Tu vas me dire ce que tu sais d'Aguila. Il était un des premiers à les rejoindre il y a à peu près 15 ans de ça. Vous le croirez peut-être pas me voir comme ça, mais j'étais un grand combattant. Il n'y a qu'à regarder ton visage pour le voir. En très peu de temps, j'étais devenu un de ses plus proches conseillers. Non, c'était un grand homme. S'il avait gagné, il n'y aurait plus de pauvres dans ce pays maintenant. Écoute, je me fous pas mal de ce qu'il y aurait ou pas maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est de mettre la main sur lui. Si, Excellence. Voyez-vous, préparer un soulèvement, c'était très difficile. Le gouvernement avait ses espions partout. Aguila ne pouvait se montrer à personne de crainte d'être trahi. Il ne pouvait seulement faire confiance qu'à un petit nombre d'entre nous. Il ne se déplaçait que la nuit. C'est pourquoi on l'avait surnommé Aguila. Parce que comme l'aigle, il fondait sur l'ennemi et disparaissait aussitôt. Nous avons gagné 4 batailles et puis à cause d'un traître, nous avons été surpris dans l'engagement qui suivit, j'ai perdu mes yeux. Nous avons dû fuir et nous disperser. Quelques-uns de mes compagnons et moi avons trouvé refuge dans cette ville en ruine. Je n'ai jamais rencontré Aguila depuis. Ma patience a des limites, vieillard. Maintenant, dis-moi comment tu vas remettre Aguila entre mes mains. Quel est ton plan pour y arriver? Avec ça, laissez mes doigts toucher les visages de ceux que vous soupçonnez. Et je vous dirai si l'un d'eux est Aguila. La vieille femme a dit que c'est Aguila qui a tué mon mari. Le colonel dit que vous connaissiez mon mari. Vous avez combattu avec lui partout. Pourtant, le colonel dit qu'il ne connaissait pas mon mari. Je veux savoir où est la vérité.
Vous ne voulez pas répondre? Si vous ne le faites pas, je vous ferai sortir de votre église par les hommes de votre ami le colonel et pendre haut et court. Mon travail n'est pas fini. L'exécution est prête, Excellence. Parlez! Et je donnerai l'ordre de vous libérer. Cette vallée de larmes. Et dès notre naissance, l'ombre de la mort s'étend déjà sur nous. Nous avons erré, et telle la brebis des Écritures, nous nous sommes égarés hors des sentiers. Nous n'avons pas fait les choses que nous aurions dû faire. Et nous avons accompli des actes que nous aurions dû éviter. Et il n'y a pas d'autre salut pour nous quand celui qui pardonne les offenses. Ainsi, nous confions ces corps à la terre pour que les âmes ressuscitent dans l'au-delà. Amen. Aquila. Águila, águila. Thank you.
Il faut qu'on sorte. Qu'on sorte d'ici. Il faut sortir à tout prix. Pueblo. Qu'il y arrive vivant, moi j'y retourne. Allez, va. Il doit prendre quel chemin? Tu le sais? Tu sais où ils doivent aller? Sont après nous. S'échapper autrement que par la porte. Écoute, il n'y a que ça à faire. Alors va à la porte. Águila.
Ça serait tellement insensé. Non, j'ai du mal à l'admettre. Et pourtant, on n'a jamais parlé d'Aguila avant notre séparation. C'est là que la légende a commencé, oui. C'est normal qu'on ne le trouve pas, puisqu'il n'y a pas d'Aguila. C'est toi qui racontais tout le temps que tu étais avec lui. C'est bien un truc irlandais. Va falloir que je t'emmène à Mexico City. On va te juger et te fusiller. Et même si tu étais mort, j'aurais dû emporter ton corps là-bas. Ce sont les ordres que j'ai reçus. Mort ou vif. Je dois le faire, tu sais. Ah, si seulement nous pouvions aller à Mexico tous les deux, et y dîner, et boire, et avoir des femmes, fêter nos retrouvailles. Si seulement nous pouvions. Écoute, pourquoi n'avoues-tu pas tout simplement, et qu'on en finisse avec tout ça maintenant, quoi? Pourquoi as-tu besoin d'aveux? Parce que figure-toi que j'ai une conscience. Dans ce cas, je n'avoue rien, et je ne nie rien. Vous m'avez demandé? Je vous ai ordonné de venir. Voici Aguila. Il a avoué? Il ne l'a pas nié. Je ne vais pas vous croire. Par exemple. Ah, vous ne me croyez pas. Alors je mens, c'est ça, hein? Non, mais vous êtes un idiot. De l'or, garce! Tu vas relâcher les autres prisonniers? Pas encore. Puisque tu tiens Aguila. Tu en es sûr? Comment pouvez-vous être si sûr? Quand il a été blessé à la tête, il est soigné. Il a touché sa figure tellement de fois. Il ne me trompe pas, Signora. Il en suis certain. Il y avait deux hommes, papa. Deux? Aguila et un ami à lui. Alors comment savez-vous que ce n'est pas l'autre qui était Aguila? Papa ne peut se tromper qu'à moitié. Si le padre n'est pas Aguila, alors c'est l'autre homme. Son ami. Mon père est très mal. Mais il va mourir. Il faut que je l'emmène. Por favor, señor. Nous sommes libres, mais nous avons besoin de vous.
demande le droit d'asile. C'est toi qui me demandes ça? C'est moi qui le demande. Tu as raison. Nous avons vieilli. L'homme seul ne peut être que malheureux, Irlandais. Il faut être deux pour le bonheur. Si nous gagnons, tu pourras peut-être mettre mon uniforme. Et si nous gagnons, tu pourras peut-être mettre ma robe. Je me demande ce qui se passe dehors. Pourquoi ne vas-tu pas y voir? Oh non, je... À tout prendre, je préfère être ici, fait frais. Et allons-nous être punis pour nos péchés? Par nos péchés. Il faut peut-être se repentir. Il paraît qu'il est plus facile de se repentir des péchés qu'on a déjà commis que de ceux qu'on a l'intention de commettre. Si je gagne, j'ai l'intention d'en commettre un grand nombre. Je sais. C'est fini. Tu veux parier? Sur quoi? Sur nos âmes. Je n'aime pas l'enjeu. Aguila a été votre mari. Il ne pouvait plus continuer. Il ne voulait plus se battre. Qui l'a tué? Votre mari était infirme. Il aurait pu me revenir. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Laissons mourir les vivants, disait-il, afin que les morts puissent vivre. Comment savez-vous ce qu'il voulait? Il m'aimait. Il aimait le peuple. Que mon corps meure, a-t-il dit, afin que mon esprit continue à vivre. Votre mari s'est agenouillé. Il a mis son pistolet dans mes mains. Il a crié « Viva !» Il a appuyé son pistolet contre sa tempe.
Il m'a supplié de tirer. Que mon nom prenne son essor comme l'aigle, a-t-il dit. Je veux que chaque homme riche du Mexique se remplisse d'épouvante quand un pauvre criera « Águila, Águila, Águila !» Alors j'ai pressé la détente. Avec sa propre main, sur la mienne. Le plus effrayant dans tout cela, c'est que depuis qu'il est mort, tout me paraît tellement inutile. Moi aussi, j'avais un idéal. Mais depuis que j'ai tué votre mari, j'ai perdu cet idéal. Je ne me suis plus senti concerné par la justice ou la liberté. Mais simplement et uniquement par cette statue. Je voulais réparer cette statue. Et c'est tout. C'est tout ce que je suis capable de faire. Assassin ! Oui ! Le diable veut toujours jouer à être le bon Dieu. Le diable ? Le diable a plus de fidèles que le bon Dieu.